Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Au local, mais sur une nouvelle voiture. Virgile, normalement la semaine dernière, il vous en a déjà parlé. T'en as parlé ? Bah oui frère, il y a déjà une vidéo qui... Ouais, mais moi j'ai pas encore fait le montage. Donc elle est sortie une semaine, mais j'ai rien vu de ce qui s'est fait encore. Il y a le propriétaire avec nous, de cette voiture. Arrête de dire que je mange des zizi, c'est relou. Le propriétaire, il est juste là, il a le track. Regardez, regardez. Monsieur propriétaire, t'as dit ce que c'était la voiture ? Tu viens de le dire. Bon bah je viens de le dire, voilà. C'est une A110 Alpine. Ah putain, qu'est-ce que... le chantier serait un peu différent. Directeur technique marketing de chez Alpine. Voilà. Ah putain, j'avoue que ta casquette là, t'es corporate. Hein. Ouais, oh, c'est là pour là aller avec mes centres de roues. Ouais, de ouf. Et puis le reste de la voiture bientôt, Inch'Allah. Du coup aujourd'hui on doit attaquer le train à vendre mes mères. Comme l'a dit le grand chef d'atelier Virgule, le pitch c'est qu'on puisse mettre super vite la voiture sur ses 4 roues. Donc actuellement elle est comme ça, vous l'aviez déjà vu mais en gros c'est pas tout à fait une voiture. On a le train à vendre qui est en morceaux là-bas. Et donc aujourd'hui bah, on va s'attaquer au train à vendre. Et ensuite bah, dans les semaines à venir, le train arrière, mettre mes mères au plus vite sur ses 4 roues pour qu'on puisse la bouger, travailler autour. T'es heureux ? T'es heureux ? Ça fait plusieurs années. C'est vrai que je voulais atteindre cette thématique. Le midnight travaille que la night, mais parfois on est un peu lent. On a mis combien de temps à attaquer ta voiture, Alan ? Ça fait 4 ans qu'elle est dans un état lamentable. Lamentable qu'elle n'est pas en fait. Vous le voyez, ça fait 4... Ouais. Et je suis retombé sur des photos de hier soir. Après, je suis retombé des photos. Ça, ouais. Donc pour la petite histoire, je sais pas si tu l'as expliqué. Non, tu l'as pas expliqué qu'on avait fait une 4L. Ouais. Ah, j'ai expliqué les trucs, mais frère, c'était il y a genre un mois, donc je me rappelle pas. Voilà. Bon, grosso modo, Alan a fait le 4L Trophy. À l'époque, on s'est débrouillé pour lui trouver une 4L avec son budget, tout ça. Attends, on s'est débrouillé pour trouver une 4L en 2 jours. Ouais, en 2 jours. Sur ça, voilà, donc. Vous connaissez le 4L Trophy, il y a un cahier des charges à respecter pour la 4L. On avait préparé une autre 4L avec Virgile, mais à l'époque il n'y avait pas de chaîne YouTube, hein, tout ça. On avait préparé la 4L pour 4L Trophy. Alan a fait son 4L Trophy. Dans son parcours, il a eu l'occasion d'avoir une autre 4L, mais complètement à restaurer. Et du coup, c'est cette 4L qu'on a depuis 4 ans, en 4 morceaux, dans le garage de chez Virgile, et qu'on doit retaper. Et maintenant, c'est l'idée des vidéos à venir et du nouveau chantier qui va nous rendre un peu fous encore. Mais bon, on a l'habitude maintenant. Je pense pas que ce soit plus compliqué que la E21. Non. Virgile, de toute façon, il nous dit tout le temps, c'est des gros Lego. Non, c'est pas une question d'un gros Lego, frère. L'avantage, c'est qu'on aura tout déjà. Tout en neuf, ouais, tout à dispo. Donc on va vraiment s'amuser à remonter. Le truc c'est genre... Chasser les vis. Ouais. Chasser les vis. C'est pas encore pas. C'est parce que... Pas les oeufs, mais... Pour vous donner un ordre d'idée... Ah ils savent. Ouais, c'est vrai qu'ils savent, t'as dû déjà... On en est à cette étape là, on regarde un magazine où on chasse les vis. Et voilà. Donc bien sûr il y a plein de trucs à nettoyer. Regardez les pièces là-bas, elles sont complètement pourries. Bon, on a les nouvelles. Ouais, tu crois que Flo il va... Ah bah il va frotter, il va sabler, il va poncer, peindre... Ouais. Carbrier, lustré. La sableuse va encore faire sauter les plombs. Espérons que cette année on ne crame pas un moteur de... Ouais, ça va aller. Ouais, parce que si on peut éviter de lâcher genre 300 balles tous les ans pour un moteur de compresseur, ça pourrait être cool. Donc voilà, sur ce, je vais vous poser sur le trépied, puis nous on va commencer à salir les mains, parce que là, il y a du taf. Le mécano dans son environnement naturel cherche des vis parmi les autres vis et il galère bien fort. Ah.
pas ce con là. Il est où le trou? Ah, c'est mon trou. Bah alors? Mais le truc il tape dans le bras. Le vlog est fini, t'as dit? Tu peux prendre ça ou le dire des bêtises? C'est toi qui dis des bêtises. Je prends quoi? Le machin noir. Le gros machin noir là. Dur et. Non! Ah, si. Celui-là. Ah, merde. Quel con! Je le mets où? Dans le trou là. Je le plug. Vas-y. Insère ton membre phallique. C'est dur avec une caméra dans les membres. Ouais, bah frère, tu fais aucun effort. Attends, vise le trou au moins. Aide-moi, Virgile. Regarde. Je mets mon doigt dans le. Du haut de mes 30 ans, j'ai toujours besoin d'aide pour. Mettre ton doigt dans les trous. Ouais. Alors, ça allait de ce côté ou de l'autre? Ça, par contre, je sais plus. Tu peux lâcher. C'est ça qu'a fait la voiture là? Elle est stance là ou pas? Elle est stance ou pas? Ouais. Vas-y, refais un coup de. Et sur R. Ça doit être un mange-merde, pas possible de mettre des. Tu peux pas là-dessus. Tu ne peux pas. Ce serait infernal à faire. En fait, si tu veux pouvoir le faire, c'est. Ouais. Faut tout faire sur mesure, tout dessiner. Partir de zéro, et puis là en plus, faut faire passer un boudin là-dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je me disais. Le boudin, faut que tu mettes à l'envers. La tête du boudin. Ah ici. Ouais, ouais. Ce serait ouf. L'origine, c'est ça en plus. Hein. La tige, elle est en bas. Si tu regardes sur celui là-bas, la tige est vers le bas du. Exactement. Du. Et en fait, sur les nouvelles versions, ils ont fait. Enfin, sur les nouvelles versions. Sur les pièces de remplacement, ils ont inversé le système parce qu'en fait, c'est 10 fois plus fiable d'avoir ça dans ce sens-là. Bah ouais, je pense. Ouais. L'effort est. Il est réparti mieux que si c'était le corps qui se déplaçait. Là, c'est le vérin qui se déplace, pas le corps. On fait l'autre côté? Ouais. Let's go. T'es beau? Je sais. Oh, là. C'est Alan le plus beau. Il va flex. Dans son avion de chasse. C'est qui Lévis là? Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le chercher. Rika? J'ai pas la ref. Rika Lewis. Ah putain, bien vu, bien vu. C'est l'histoire de l'écrou récalcitrant. Et de mes oreilles qui meurent. Nous a refait une belle empreinte. Oh la vache. Wow. Tiens, essaie de tourner la clé. Tu peux avoir tout le teamwork du monde là. Attends. Non. Ouais. Oh. La vache. Il va falloir le couper. Ça a l'air de te ravir. C'est chiant quoi. Putain, il rentre pas au fond le truc ou. Je rêve. Désolé à tous mes bouffards. Non mais n'en rajoute pas. C'est pas toi au montage après. Foiré moi. Oh. Oh. Impressionnant. Eureka. Ah faut pas que je bouge. J'ai le. T'as la force. Yeah. C'est un peu ça. Il crie. Ah, ça fait tellement flipper ce gosse quand il fait ça. Ah là 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 là. C'est l'enfer là. Ah putain. Ouf. Oh là là. On arrive à la fin de la vis, ça devient complexe. Ça devient dur. Ah, j'ai plus assez de force, je peux pas appuyer et en même temps le tenir. Le... Ouais, je vais poser la caméra et on va voir s'il y arrive. Bah, il s'enlève. Tu prends deux. C'était le contrepoids qui faisait. Ouais. Contrainte. Ouais, c'est neuf en dessous. Ah bah, mon pote, vu comment c'est emboîté là-dedans, ça allait pas s'abîmer. C'est mais... dingue. Yep. Oh là là. La rondelle et les coups dessus. Voilà. Encore mission de merde. Voilà, pour récupérer une pose vis qui nous manquait. Ça, de ouf. Tu le mets dans Jared?
J'arrête comment? J'arrête les taux. Allez, j'arrête les taux. Ouais. Nous sommes des enfants heureux. C'est vraiment pourri la pièce quand même. Mais le pire, c'est qu'un coup de sableux sur les pièces et... Hormis les pièces, genre l'amortisseur, tu vois, c'est mort. Mais... Ah, dommage que t'aies pas d'image sur le plancher d'avant. T'as vu comment on a enculé la barre en essayant de rentrer les... Je vois ça, ouais. C'est, voilà, bon, bah, le... il aura fait 2 ans, les taux. Mais ça, ça se change. Ouais, ça fait chier. Il était neuf quand... Oui, mon père me l'a offert neuf. Aïe. Ouais, putain. Pour des gueux. Je crois que tu l'as détruit là. J'ai enculé la vis sur le côté. Ah. C'est la rondelle. Ah, les rondelles, ça tu connais. Ouais, c'est pour l'avoir. Ah, c'est l'écrou ça. Mais quand t'es trop du cul qui est au local, c'est pas très mal d'avoir des rondelles d'avant. Pas dans ta bouche. Pardon. Il est un peu chaud les croûts. Waouh! C'est con, faut plus ça. Oui, il y a de la terre préhistorique. La terre avec un terre préhistorique. C'est un peu horrible. Un peu crade. De la terre? Un monsieur brûlé. Oh oui, je crois que je l'ai un peu bezade. Pourtant, j'ai fait gaffe. Hein. Celle qu'on devait récupérer, celle-là? Non, yes. C'est celle-là qu'on devait récupérer. Celle que j'ai encolée. Eh ouais, elle est compliquée là. Le coefficient est pénétré. Ouais, en tout cas, tout à l'heure on en avait besoin. Salut. On a besoin d'une vis, pas d'un virgule. Oh, miniature. Virginie avec ça. Là, tu me détestes. Non, mais tu fais. Ça croustille, dis donc. Ça croustille, ouais, putain. Ça croustille. Bon, messieurs, dames, comme vous pouvez vous en douter, c'est la fin de ce vlog. On galère sur des vis, on galère sur de la rouille, on galère sur plein de trucs. Mais bon, c'est pas quelque chose qui nous fait plus peur que d'habitude, hein. Voilà, voilà, regardez Virgile, il est encore en train de regarder des photos. Regarde mon doigt, comment il était tout noir. Oh. Et du coup, voilà. Donc sur ce, bah, comme d'habitude, on va continuer la semaine prochaine et encore ce week-end. Et comme d'hab, on galère. Comme d'habitude, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Ah oui, et t'oublies pas, tu cliques, tu likes, tu partages, et que du love.